Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, je ne peux pas faire mon intro habituel au taquet, alors je suis en forme les gars, je suis en forme mais je suis malade. Alors vous inquiétez pas, ça peut pas être retransmis en vidéo, c'est pas contagieux, mais voilà j'ai un petit rhume et c'est terrible. Alors les amis j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement à bord de mon camion, avec ma voix virile finalement, du coup on en profite pour une fois que j'ai une voix virile. Là pour une mission rapide, donc c'est un Ford mais c'est pas mon camion encore une fois, j'ai préféré prendre une mission rapide parce que c'est toujours plus intéressant pour avoir plus de possibilités. C'est un petit trajet qui nous attend. On est en Croatie, en tout cas on va en Croatie si je dis pas de bêtises. On va transporter du gasoil c'est un trajet en soirée nuit. Voilà, pour changer un petit peu, ça fait toujours du bien. La vérité c'est que j'ai pas fait exprès. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Le retour de la caméra évidemment par rapport à la dernière vidéo Euro Truck. Donc là voilà, c'est de la découverte, je sais pas du tout où on est hein. Clairement on n'est jamais allé ici. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé aussi. Alors s'il te plaît frérot, attendez, pourquoi je suis pas en automatique? Voilà, j'étais passé en séquentiel sans faire exprès. Oh là là, ça va être la galère. J'ai l'impression que ça fait depuis longtemps que j'ai pas roulé. Alors, il s'est passé plein de choses depuis la dernière vidéo Euro Truck qui est sortie dimanche hein. Ça c'est clair. Entre temps, pour ceux qui m'ont suivi en live, ben, vous savez tout ce qui s'est passé. Donc déjà dans un premier temps, bah, la caméra qui est de retour. La liste des mods que j'utilise d'ailleurs, juste petite parenthèse, je vous l'affiche parce que c'est vrai que vous me l'aviez demandé. Donc je vais vous l'afficher. Attendez, il y a un point d'interrogation à gauche. Alors si déjà on est là, on va en profiter pour faire un petit détour. Le trajet en plus il est super rapide hein. Le trajet il est super rapide. Donc ça mange pas de pain d'aller découvrir je pense une agence de recrutement. Je pense. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Je ne vois pas, je ne sais pas. Ouais, c'est une ah oui, c'est bon, c'est écrit sur GPS, c'est une agence de recrutement. Ok, très bien. Attendez, je vais tenter un demi-tour. On va pas se casser la tête. Donc c'est bel et bien une agence de recrutement. Bon, c'est toujours sympa. Là, ça passe de ouf. Voilà, donc comme ça, vous avez la liste des mods. J'ai rajouté du coup un nouveau mode et je remercie Tim de me l'avoir proposé. Le mode sud de France qui permet donc de rajouter quelques villes dans le sud de la France. Donc quand on sera de passage dans le pays, dans notre pays, et ben ça va être plutôt sympa. Voilà, donc je peux déjà d'ores et déjà vous montrer. J'évite de m'arrêter. Hop, excuse-moi frérot. Bah t'es complètement con hein. Là c'est de ta faute hein. Si tu m'as rentré dedans, tu me voyais très bien arriver. Eh, ils sont un peu bizarres ici, on est d'accord qu'ils ont une façon de conduire qui m'échappe. Bref, donc je vous montre quand même sur la map là où on est. Donc on est à Zagreb et on va à Banja Luka. Donc ça je suis sûr que c'est en Croatie. Je crois qu'on est en Slovaquie actuellement. Et voilà, on a Marseille, Nîmes. En fait je sais pas c'est quoi les villes qui ont été rajoutées, mais en tout cas voilà, pour le mode sud de la France, ben, le sud de la France a été refait. Bon déjà Saint-Alban-du-Rhône, je pense que ça a été ajouté parce que ça ne me dit rien. Mais du coup voilà, vous avez à peu près l'idée. La caméra est là, elle est pas là-bas. Donc voilà, merci Tim. Donc nouvelle caméra, la Logitech, je sais plus c'est quoi le modèle, mais je vous la présenterai dans la vidéo setup que je ferai. Et franchement, bah matez-moi. Bon après, c'est du fond vert. Donc le fond vert fait pas pareil peut-être, mais donc peut-être que vous sentirez même pas de différence. Mais la qualité elle est tellement bien, elle est mille fois mieux. Et je peux vous dire que en live ou dans les vidéos justement où il n'y a pas de fond vert, on sent la différence et c'est que du bonheur. Donc j'ai changé le décor derrière, pour ceux qui me suivent en live vous l'avez déjà vu. Pour les prochaines vidéos qui ne sont pas en fond vert, vous allez le voir. Et puis d'ailleurs vous avez été en majorité devant, puisque vous avez compris ce que j'avais, ce dont je vous parlais dans la précédente vidéo Euro Truck. En fait c'est un bureau électrique que j'ai acheté. Et clairement c'est le meilleur investissement. Alors évidemment pour jouer à des jeux de simulation je suis assis, mais pour le reste du temps quand je fais du montage vidéo, quand je bosse ou quand même je joue, je suis quand même assez souvent debout. Et ça me permet d'alterner entre debout et assis, ça me permet de bouger et de pas arrêter mes activités. Voilà, comme je passe quand même beaucoup de temps. Bref, donc c'est vraiment génial. Je me tiens de plus en plus droit en plus. C'était le but hein, de toute façon. Mince. Merci frérot, c'était le but hein. C'est qu'à terme je puisse me tenir beaucoup plus droit, parce que c'est vrai que putain c'est chiant quoi. Et voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et ça permet de faire des belles dingueries sur l'anatomie humaine. Donc voilà. On a fait donc des lives lundi soir et mardi soir. C'était sur The Forest, merci à tous ceux qui sont passés et qui ont regardé ça. On remettra ça non je peux rester là. Non il faut que je sorte. On remettra ça j'imagine la semaine prochaine hein, les lives The Forest. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce soir, au moment où cette vidéo sort, donc jeudi soir, ce soir, nouveau live 20h30, et ce sera sur le jeu Hello Neighbor. Et donc je vous recommande vivement de rejoindre le live, parce que je crois qu'on va vraiment s'éclater. Putain ils sont indécis hein. Oh merde. Oh merde.
On peut pas. On peut pas y aller. Attendez, il y a une voiture qui est avec moi là. Ah non, c'est bon. On peut pas, putain, je suis débile. Mais y'a que moi pour faire ça, hein. Y'a que moi pour faire ça, hein. Là, si les gendarmes me voient, je suis mort, hein. On a pas le droit de faire ça, hein. Attendez, je vais me mettre à gauche, c'est pas grave. Regardez bien, je vais rattraper le tir. Hop. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. J'étais tout content là avec mon télépasse. Ça passe? Ça passe. Et franchement, je suis quand même débrouillard, hein. Hop, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Mais est-ce que le jeu fonctionne aujourd'hui? On se foutrait pas un peu de ma gueule? Ah punaise, oh là mais... Waouh! Le jeu se fout de ma gueule aujourd'hui, on est bien d'accord. Et là du coup je suis sur la voie tout à gauche, quel débile. J'espère que personne va tenter une accélération de malade là. Voilà. Mon dieu la vache, désolé. Bon, je laisse les pleins phares, hein, parce que sinon on verra rien. Donc désolé pour les mecs en face, hein, à un moment donné faut pas non plus se... On se fout tellement de ma gueule aujourd'hui. Bref, donc oui, Hello Neighbor ce soir en live. Voilà, je vais vraiment bien crier je crois. Et en plus du coup comme je suis... n'est-ce pas? Ça risque d'être assez folklorique. Voilà, tout simplement. Bref, et aussi, alors, très important les gars, je sais que quand j'ai acheté le casque de réalité virtuelle, donc début de l'année, et que j'ai fait pas mal de vidéos dessus où j'ai testé un petit peu ci et ça, des expériences en réalité virtuelle, ça vous avait bien plu, surtout quand c'était du Euro Truck. Alors après voilà, ça vous a donné la gerbe, c'était pas terrible, la qualité elle est pas ouf sur Euro Truck. Et donc je sais qu'il y en a qui peuvent être un peu mitigés quand ils voient des vidéos en réalité virtuelle. Et ben les gars, sachez que demain à 16h, demain vendredi 16h, vous devez regarder cette vidéo qui va sortir. La vidéo elle dure 6 minutes frérot, ou 7 minutes. Donc déjà, il n'y a même pas de pub découpée dans la vidéo. Mais bref, la vidéo, je découvre un jeu en VR qui s'appelle Propagation. C'est un jeu d'horreur, d'accord? C'est un jeu d'horreur. Mais en fait, vous allez être dans l'ambiance, mais vous allez surtout vous péter, mais les gars, des méchantes barres. C'est-à-dire que concrètement, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie, et vous, ça va pas vous faire aussi peur que moi. Vous, vous allez juste vous péter une barre en me voyant. Et vous allez voir aussi ma vraie nature. En fait, c'est un jeu, je vais pas vous spoiler, hein, c'est tout con, vous allez voir. Mais j'étais tellement dedans, frère, en VR, c'est du génie. C'est la première fois que j'ai eu aussi peur, pour de vrai. Donc c'est la vidéo, elle dure pas longtemps, elle est bien montée et tout, mais j'ai eu très très peur. Au début, vous allez voir, c'est rigolo, c'est tranquille, c'est même, il se passe rien. Et après, au milieu de la vidéo et à la fin, vous allez très vite comprendre ce qui va se passer. Là, je me suis dit, je suis en danger. Alors que c'était un jeu, hein, bien évidemment. Donc vraiment, regardez ça demain, demain à 16h, les gars, la vidéo du vendredi. Et par la suite, je vais faire d'autres vidéos vraiment en VR comme ça. Je vais découvrir plein de jeux VR si les développeurs veulent collaborer avec moi. Et voilà, pour voir un petit peu à droite à gauche les jeux VR qu'il y a. Je vais clairement faire plein de vidéos découvertes VR comme ce que j'avais prévu à la base, mais que j'ai encore pas eu l'occasion de vraiment faire. Et là, comme j'ai le setup qui se lave et tout, c'est juste parfait. Enfin, vous allez voir, c'est juste du génie. Donc j'espère que vous allez kiffer, les gars. Je compte sur vous pour regarder cette vidéo. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je vous en serai très 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 reconnaissant. Voilà. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Vous me direz que ça vous plaît pas. Mais vraiment, avant de dire que ça vous plaît pas, regardez la vidéo. Parce que ça, au premier abord, ça peut ne pas vous intéresser. Mais clairement, une fois que vous êtes dedans et que vous avez compris que c'est marrant, ben là vous allez dire, ah oui, en fait c'est sympa ce genre de vidéo. Je le sais parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, et je vous en remercie, il y a beaucoup d'abonnés qui étaient réticents à propos des autres vidéos Euro Truck. Parce que je fais des vidéos Euro Truck et je fais d'autres types de vidéos. Et il y avait des abonnés qui ont franchi le pas et qui ont regardé d'autres vidéos que Euro Truck. Et résultat, ils regardent toutes mes autres vidéos. Et je vous en remercie énormément. Donc vraiment, il faut franchir le pas. Et une fois que vous l'aurez franchi, vous allez être en mode, ah ouais, en fait Mkolo il est bien aussi dans d'autres trucs. Bah oui, je fais pas que du Euro Truck. Mais donc voilà, vraiment, je compte sur vous. C'est la fin de l'autopromotion. Mais voilà, que du bonheur. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, le montage et tout. Même si, comme dit, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Alors, on va passer la frontière. Donc là, il faut pas déconner, hein, on va éviter de se tromper comme tout à l'heure avec le péage. On prend bien la voie réservée au camion. On va faire la vérification des papiers. J'ouvre la fenêtre évidemment. Hop. Voilà. Ceci dit, ceci fait, ça fait plaisir. Bon.
J'ai soif. Bon, je vous le dis, j'ai soif pour ceux que ça intéresse, mais je ne peux pas boire parce que j'ai sucé tout à l'heure. Ah, j'ai bien sucé comme il faut. Ah oui, pour le mal de gorge. Oh là là. Ah, je vous vois venir toujours, hein. Vous êtes vraiment des cochons. Bon, donc voilà, Croatie, Croatia. Nice, attendez. C'est l'heure de la miniature. Et du coup, je crois qu'on vient de quitter la Croatie et qu'on va en Slovaquie, du coup. Attends, là, c'est écrit avec les caractères idylliques. Non, pas idyllique. Je sais plus, on avait appris ça justement en live lundi soir. Il y avait un Ukrainien qui avait rejoint le live. Donc gros big up à toi d'ailleurs si tu passes par là. Mais il y avait un Ukrainien, c'était super sympa. Et du coup j'avais appris le nom des de comment on écrit, tu sais, les caractères là. Et du coup j'ai oublié. Du coup j'ai dit idyllique. Hop, on y va. Et du coup on est où alors? On est en... Welcome to Rosnia. Bon bah bon, on saura pas, voilà. Donc soit je suis en Croatie ou soit je suis en Slovaquie. En tout cas c'est l'un des deux. C'est voilà, le transit se fait entre les deux pays. Bref. Hop. Donc voilà, merci aussi hein, vraiment. Donc j'ai regardé tous vos commentaires sur la vidéo de dimanche de Eurotruck, forcément. Et enfin, ça fait plaisir du coup vos réponses concernant la webcam. Parce que je vous ai demandé si vraiment ça vous perturbait ou pas le fait que je ne mette pas la caméra sur la vidéo Eurotruck. Et en fin de compte, alors, forcément chacun a ses préférences. Et en majorité vous aimez bien quand il y a la caméra parce que vous me voyez en direct avec mes réactions ici et ça. Donc ça je suis bien d'accord. Mais en soi, et ça c'est cool, ça vous perturbe pas tant que ça. Parce qu'à l'époque ça perturbait beaucoup hein. Et là ça perturbe pas beaucoup. Donc si jamais je mets pas ma caméra de temps en temps, bah ça peut être sympa si ça vous va du coup. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, 2,17€ le 98. Je ne comprends pas comment c'est aussi cher. Pourtant j'ai vraiment mis un mode où normalement les stations essence sont réalistes. Enfin les prix du gasoil et tout c'est... Et là ça n'a pas l'air. Enfin on verra quand on ira en France. On verra en France à quel prix sont les stations et on verra. On verra si c'est réel ou pas. Parce que c'est vrai que bon, ça paraît quand même un peu beaucoup là. Enfin même si du coup... C'est la fin de l'abondance les amis, c'est la fin de l'abondance. Et oui, d'ailleurs vous savez ce qui me fait marrer avec ça, bon pour ceux qui ont suivi mes lives, je l'ai beaucoup dit, hein, la fin de l'abondance. Mais lol, et bah oui, et je suis chiant. Mais ce qui me fait marrer c'est que Abondance, maintenant j'ai le droit de le dire, et ben c'était le village dans lequel on était, quand on était en vacances en Haute-Savoie, au lac Léman. Voilà, on était à Abondance, la chapelle d'Abondance à côté. Voilà, c'est stylé. Du coup, ça m'a rendu nostalgique quand notre cher ami Emmanuel... voilà. Ta-da-da. Faut toujours trouver du positif dans le négatif, de toute façon. Bon, c'est sympa. Alors voilà, comme dit, c'est du trajet nocturne. Bon, on prend quand même pas mal d'autoroutes. Après, voilà, le but du jeu, vous voyez, c'est que le trajet est quand même ultra court. Je voulais vraiment pas faire un long trajet, surtout dans l'état où je suis. Et surtout je me suis fait en fait avoir. Je voulais pas faire un trajet de nuit à la base. J'ai pris mission rapide et à chaque fois j'oublie de remettre le jour. Et après c'est trop tard quoi. C'est à dire quoi ENP? Oh là là, je me suis mis dans un bourbier encore. Ça veut dire quoi ENP? Ah, je veux bien que vous me dites. La voie que je viens de prendre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais bref. Bref, je voulais pas faire la mission comme ça. Et le problème c'est qu'après si t'abandonnes la mission, bah t'as des frais de pénalité. Donc pas le choix, il faut qu'on assume. Déjà qu'on a pas beaucoup de thunes. Donc voilà. Pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas de live Eurotruck hein, ça c'est clair, vous l'avez vu. Peut-être que la semaine prochaine je ferai des live Eurotruck, je ne sais pas. En tout cas moi ce qui est sûr, je vous le dis de vous à moi, de moi à vous, c'est que clairement bah voilà, là The Forest et Lone Eyeball, les lives que je fais actuellement, ça me fait kiffer de ouf. Et ça me permet de streamer debout. Et c'est ça mon plus grand plaisir pour le moment. Donc c'est pour ça, faut pas m'en vouloir qu'il n'y ait pas de live Eurotruck pour le moment. Mais il y en aura de nouveau. Après voilà, je fais des vidéos Eurotruck à côté. Donc normalement tout le monde devrait être relativement content. Et voilà. Donc ça fait plaisir. Moi là je me fais kiffer donc on se fait kiffer ensemble. Monsieur a du mal à me doubler derrière. Monsieur est sur la voie de gauche mais ne veut pas me doubler. Ah bah parce que c'est limité par exemple à 60 km/h. Ouais, c'est un bon exemple. Et ben je vais rester sur la voie du milieu. Et normalement c'est pas réaliste hein. Normalement la barrière elle est censée, tu vois, elle est censée être molle.
Ah bah je suis passé à travers la barrière carrément, tu sais. Ok. Pourquoi pas. Bon, on fait que de passer des checkpoints là, depuis tout à l'heure, c'est un truc de malade. Banja Luka, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Alors, vous savez quoi, on va faire ça très simple. C'est vous qui allez décider parce que clairement, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête. Vous me dites, la prochaine vidéo Euro Truck, donc qui sort samedi, je crois. Ouais, ça doit être samedi. Vous me dites, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme trajet? Parce que concrètement, on va reprendre une mission rapide. Concrètement, on va reprendre une mission rapide. Donc, vous me dites, soit vous avez une idée typique du transport que vous voulez qu'on fasse, genre une marchandise spéciale, vous me dites laquelle. Ou soit vous me dites le pays ou le trajet à faire. Par exemple, si vous voulez qu'on fasse en France, on fait en France. Vous me dites, pas à l'autre bout du monde non plus, parce que bah forcément j'ai pas encore tout débloqué, donc ça va être terrible. Mais vous me dites en fait ce que vous voulez, voilà, ce qui vous intéresse pour la prochaine vidéo, comme trajet ou comme livraison, voilà, comme mission, vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse et on le fera. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire. Comme ça je suis sûr de faire un truc sympa quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on va fonctionner. T'inquiète, je sais ce que je fais. Il fait nuit de toute façon, donc c'est pas une excuse valable hein. C'est un rond-point ça, voilà, donc il faut que je reste à l'extérieur. Regardez bien la police. Ah là là, les policiers hein. Ah, c'est plus ce que c'était hein. Ok. J'ai deux de tension hein, clairement j'ai deux de tension frérot, ne pas conduire sous l'emprise de médicaments. Et voilà. Ça dépend lesquels. Ah mais c'est vrai, j'ai un ralentisseur là, j'avais oublié. Ah putain. Je redécouvre le jeu à la fin du jeu quoi. Le feu orange, parfait. Ouais, excuse-moi, je lui ai fait les appels de phare, mais je vois rien aussi. On voit rien, frérot. Ah, c'est vraiment de la merde, les livraisons de nuit, tu sais. Et après, moi, dès le début de la vidéo, je faisais genre que j'avais fait exprès. Que nini, on voit absolument rien. C'est même pas beau. Et on sait pas où on doit aller. C'est là ? Ah, c'est là, oui. Voilà. Bam, on est bien arrivé. Attendez, on n'a pas encore fait la manœuvre. Ah bah quand même. En plus, on voit rien, c'est ça ce qui est génial. Ça se trouve, il y a un grand tronc d'arbre, on le voit même pas. C'est complètement con. C'est complètement con ce qui se passe. Et pourquoi on livre du gasoil ici? C'est complètement con aussi. Bah je vois rien, ça sert à rien de faire genre. Je sais même pas où je dois aller. Messieurs, dames, vous m'en voudrez pas? Ah oui. Vous m'en voudrez pas qu'on se la fasse en vue extérieure hein. Par contre il faut tourner hein. Ouais d'accord. J'ai bien compris que je suis un... Que je suis débile. Ouah, j'ai failli me prendre le truc hein. Allez. Oh la galère. Ah oh, je suis dans un bourbier frérot. Mais pourquoi tu recules pas? Oh il a du mal hein. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ça y est je panique. Ah on est en pente. Je peux plus reculer les gars. Je peux même pas reculer. Mais frérot je peux même pas faire une manœuvre. Je peux même pas faire une manœuvre. Je peux même pas reculer. Là j'avance. Mais putain, mais on dirait que tu twerk. Mais quel enfer, pourquoi j'ai du mal comme ça, je ne sais pas. Bon. J'ai pas compris, j'ai dû appuyer sur une touche ou je sais pas.
très bizarre. Bon, les amis, ceci étant dit, ceci étant fait, on a fait la livraison. Là, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Je suis preneur de tous vos trucs. Alors, niveau 10, on va prendre matière, voilà, hop, formation, tac, bam, voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. 33 000 euros. Si je regarde la banque, après j'ai pas roulé entre temps les gars, hein, donc normalement il n'y a pas grande différence par rapport à la dernière vidéo, mais je me souviens plus. Bon, ah, on est bientôt à la fin. Ça va aller, quel enfer. On s'est vraiment mis dans un bourbier les gars. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. Encore une fois, désolé, malade, toi-même tu sais, je suis malade. Je vais rien dire de plus frérot. Des bisous.